Hey yo les amis, c'est Fritz. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, pour une toute nouvelle partie camping. Et aujourd'hui je suis très content, on va pouvoir tester la map Birthday Partie 2. C'est une map que vous aviez vraiment beaucoup kiffé. Et bah là c'est la suite, je sais pas si c'est vraiment une suite, mais en tout cas c'est le 2. Je sais pas vraiment quelle histoire ça va être, etc. De toute façon on découvre à chaque fois ensemble en vidéo. C'est ça le but et c'est ça le plaisir aussi qu'on a. Donc je suis très heureux aujourd'hui de faire cette découverte. Si vous êtes content, n'hésitez pas à faire exploser le compteur de likes. Franchement ce serait grave cool les amis, si on arrivait à atteindre les 5000 likes. On les atteint pas souvent tu vois, mais je me dis allez, je crois en vous, si le Birthday Partie 2 vous plaît autant que le chapitre 1, et ben faites moi exploser les 5000 pouces bleus. Ça aide énormément pour le référencement et puis ça montre que des fois voilà, vous pouvez encore être plus puissant, plus fort. Trêve de blabla, il est temps de commencer cette vidéo, j'espère que vous êtes prêts. Si oui, on peut y aller, c'est parti. Me voici dans la map. Apparemment voilà, vous l'avez compris, ça va se passer dans un safari. Attends, par contre là je suis dans la voiture où il n'y a absolument personne. Ah moi, voilà, tu vois, l'avantage d'être youtubeur, c'est que dès que les gens évacuent tes youtubeurs, ils veulent absolument venir avec toi. Parce que je suis potentiellement en règle, tu vois. Donc ils disent, ah moi je suis fascinant dans la vidéo. Donc là tu vois, j'étais tout seul, et maintenant on va être à la voiture la plus remplie. Par contre je suis content les amis, parce que un safari, on n'en a encore jamais eu jusqu'à présent, tu vois. Donc une petite aventure, ce qui se passe avec un safari, franchement je dis oui. Et c'est parti, on va à Williawaka Zoo. Et parfait les gars, on va peut-être voir des animaux, peut-être que les animaux vont péter un plomb, je ne sais pas du tout. On va voir ça, on va voir ça. Nous arrivons, attends, c'est bizarre le texte là. Oui, un moment, t'as dit just why don't let me take a look at the map here pour regarder un petit peu autour de nous. Là, il n'y a rien, les gars. Gabi, est-ce de quoi? Il se passe trop de trucs là. J'ai rien suivi, j'ai rien capté, gros. Je suis déjà complètement largué alors que ça vient de commencer. Bon, il y a eu un gros bail chelou là. Très clairement, il y a un accident avec la voiture. Désolé pour ça, Gabi, the map expérience. Donc en gros, Gabi n'a pas beaucoup d'expérience pour conduire, etc. Attends, is the good repair. Bref, on est, ils vont essayer de réparer la voiture et on va devoir patienter. Commande Gabi, donc viens Gabi. Je connais un endroit pour les véhicules, je crois. Ah, du coup, vous voyez, il parle extrêmement vite. C'est très compliqué pour moi. Déjà que j'ai du mal à traduire et que c'est des traductions genre qui sont à 20% correctes. Alors là, le fait que ce soit rapide, j'avoue que c'est un peu compliqué quoi. Hey, look up. Je crois que c'est des oiseaux, voilà. Alors regardez ces magnifiques oiseaux. Hey, ils sont partis, les oiseaux, ils sont pas restés très longtemps. J'aime beaucoup la musique. Genre on est trop dans l'ambiance. Daz Monkey, regardez, il y a des singes et tout. Excellent mec. C'est cool de voir les animaux, parce que c'est vrai qu'un safari où il n'y a pas d'animaux, ça aurait été un peu triste quand même. C'est vraiment bien. Il faut trouver des gens pour nous aider. Yuki's go and find Norby. Donc trouver une cabine et je sais pas quoi. On trouvait certainement une cabine peut-être téléphonique ou une cabine pour appeler des secours. Donc c'est parti les gars. On va essayer de trouver la fameuse cabine. Il y a une maison là-bas. Je pense que c'est ça en fait. C'est ça la petite maisonnette. On va pouvoir appeler les secours. C'est bon, nous avons trouvé la cabine. We should report back. Donc on va faire le fameux rapport. Allez, laissez-nous entrer les gars. Ah bien, quelqu'un qui dort là en fait. Genre il dort au calme, paisiblement. Bon, on doit retourner en arrière. Ah ouais, on est vraiment pas beaucoup. Oh, did you find some things? Donc vous avez trouvé quelque chose? Oui, nous avons trouvé une cabine juste là-bas. Ah bah c'est vraiment une bonne nouvelle tout ça. Let's go as soon as possible. Guys go along, cabine one step back just to make some right command guys. Ok, on va suivre. On va la suivre elle, par contre moi suivre l'histoire c'est compliqué hein. Del Doku, qu'est-ce qui parle vite cela? On va suivre Gabi, c'est notre point de repère. Donc ne pas lâcher Gabi de vue, ok. Surtout on va réveiller le frérot là qui est en train de pioncer dans la cabine. Nothing of the odd, just look like normal cabin. Absence the owner will willing to help us. Une fois elle parle d'aide, donc cette cabine va peut-être nous aider. Voilà, on toque. Est-ce qu'il se réveille ou pas celui-là? Bonjour. Eh, hey, réveille-toi, enfoiré. Je pense qu'il veut pas se lever, hein. Clairement, là, il est dans les bras de Morphée et Morphée le lâche pas. Hein. Looks like the heavy sleeper. Let's find something to make. Donc, on doit trouver un moyen de le réveiller. Mais sérieusement, putain, il va vraiment nous casser les pieds à ce moment-là, celui-là. Quel moyen on pourrait trouver pour le réveiller? Après, moi, soit on fait cramer la cabine, ou soit on prend un gros parpaing, tu vois, et on casse une fenêtre. D'ailleurs, c'est peut-être ça. On va prendre une bûche et peut-être la balancer par la fenêtre. Donc, c'est bon, on a trouvé. C'est pas des bûches en fait, c'est des tam-tam. Ah ouais, on va faire de la musique en fait. Ok, je vois. Pourquoi pas? Se réveiller en musique, c'est quand même plus agréable que se ramasser un parpaing dans la fenêtre, c'est vrai. Donc c'est bon, il s'est réveillé. Et attends, les gars, moi je suis à l'autre bout du monde là. Moi je vois même pas qu'il s'est réveillé. Ah, si, je vois sa grosse tête là. Bon, c'est parfait du coup. Est-ce que je peux vous aider? Bien sûr que tu peux nous aider, mec. Merci à toi, going to the crash. Donc nous avons eu un accident récemment. Elle est en train de fumer, donc la voiture ne va plus. On est dans la merde. We're wondering, Giovanni Bonies, won't help up. Donc on aimerait bien trouver des gens pour pouvoir venir nous aider. Je crois qu'il a dit qu'il se connaissait en mécanique. Ça va trop vite en fait, c'est horrible. We just need some pas. Merci, the monkey. Je sais pas pourquoi il parle de singe. Oh là, c'est tellement compliqué. Bon, c'est pas grave en soi là. Pas grave, on va apprendre l'histoire en vivant l'histoire. Voilà, plutôt que d'essayer de traduire parce que c'est trop chaud. Bon, ok. Je suis prêt.
Donc on va aller quelque part, j'ai pas bien suivi, peut-être dans la grotte où justement le singe avait été. I have to warn you, I have some strange men above the cave, don't have all day, so on the shot. Je crois que la cave en fait, elle cache des mauvais bails les gars. Ouais, et souvent généralement dans les aventures camping, c'est vrai que les... Enfin je parle de cave mais c'est une grotte, hein, vous l'avez compris, c'est cave en anglais mais c'est grotte. Généralement dans les aventures camping c'est vrai que les grottes bah, c'est pas forcément le meilleur endroit. Bah souvent des choses étranges. Et vu la gueule que ça a, j'ai pas trop envie de m'engouffrer dedans. Mais bon, autant dire qu'on n'a pas le choix tu vois. Bon allez c'est parti les gars. On va rentrer dans la grotte dès qu'on peut en tout cas. Donc regardez, la porte requiert 3 gemmes. Pour pouvoir l'ouvrir il faut 3 gemmes en gros. Bah où est-ce qu'on va trouver les gemmes? Comme ça dans la nature? Ah bah voilà, regardez ça. Il y a une gemme déjà ici. Alors hop, une petite gemme, ensuite c'est moi qui aurais fait la plus grosse partie du travail vu que j'aurais récupéré 2 gemmes. Ok c'est bon, j'ai récupéré l'autre gemme, les 3 gemmes sont maintenant placées. Voilà, hop, parfait. Et ben la grotte c'est ouverte. Ok, là place au parcours les amis. Le petit escape de d'habitude. Il y a de la lave en bas donc clairement vaut mieux pas tomber. Et je sais pas si la map propose une possibilité de se ressusciter. Alors l'objectif maintenant c'est de compléter le hobby. Et ben écoutez, parfait, hop. On passe par là, on passe par là. Ok, là ce qui est bien au moins c'est que ça ne tue pas, ce genre de choses. Mais il faut quand même pas prendre son temps non plus. Hop, il faut se dépêcher un minimum et se concentrer. Ok, c'est bon, j'ai réussi à passer la première étape. That was the close one, il y a un coffre ici. Vous pensez qu'il y a quoi dans le coffre? En fait j'ai pas bien compris pourquoi est-ce qu'on devait venir ici. Pour pouvoir régler notre problème d'accident de voiture tu vois. Let's open it and fight out ourselves. Le coffre est ouvert, il y a quoi dedans? Pourquoi je suis bloqué ici? C'est horrible, on peut même pas regarder ce qu'il y a à l'intérieur. L'arbre bouge, très bien. Ok, là on n'est plus du tout dans Roblox mais on est dans Harry Potter là. Il y a un seul cogneur, très bien. On a plutôt un arbre démoniaque. Ok, 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 et on est censé faire comment là pour... Attends, where's the boss? I'm green is immune the axe. Ok, on verra bien les amis, on verra bien, on verra bien. Faut lui mettre des coups de hache. Ok, donc là c'est le moment en fait de le frapper tu vois. Quand il a les yeux verts c'est qu'il est en mouvement. Et quand il a les yeux noirs c'est qu'on peut le frapper. Et qu'il est fixe, voilà. Non, oh putain merde il m'a chopé les gars. Ok c'est bon là, il m'a déjà mis cher. Ok, on peut revivre heureusement. En plus ça coûte 20 Robux, ça va, c'est vraiment pas très cher. Grâce à moi on va pouvoir lui mettre un max de dégâts. Et surtout le buter. Attends, il y a un truc là, un truc Dominus là dans le coffre, trop stylé en or et tout. Allez hop, on le frappe, on le frappe. Heureusement qu'on est quand même 3 là. Parce que tout seul ce serait vraiment compliqué de lui mettre des dégâts hein. Je crois que la technique c'est ça non? De rester comme ça autour de lui et sauter. Non pas du tout, pas du tout. Voilà, ça va être compliqué hein. Les autres je sais même pas comment est-ce qu'ils vont faire pour survivre. Allez j'essaie de lui mettre des petits coups comme ça en traître. Dans le dos, voilà là, en profiter. La moitié de sa vie au moins a déjà été enlevée. Donc c'est déjà une bonne chose, mais c'est pas suffisant les gars, c'est pas suffisant du tout. Et c'est bon, on a réussi à dégommer l'arme. On lui a montré qu'on était des vrais bûcherons et qu'il ne faisait pas peur. Du coup, maintenant qu'est-ce qui se passe? Là c'est moi qui suis en train de parler. Donc là c'est above your side, donc vous êtes en sécurité machin. Ouh là, un tremblement de terre, mais gros, un arme maléfique. Maintenant tremblement de terre, et puis il va y avoir quoi? Il va y avoir Godzilla qui va se ramener. C'est vraiment terrifiant. Bah ouais, je te l'accorde. C'est l'arbre là qui vient de tomber? Ouais ouais, c'est l'arbre qui vient de se péter, on l'a tellement coupé bah, qu'on l'a carrément coupé, voilà, et qu'il est tombé. Mais maintenant, c'est bien d'être en sécurité, mais sauf qu'on est qui bleu. Donc je vois absolument pas là comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir sortir d'ici. Pour regarder autour, pour trouver quelque chose. Look around, ah bah là, hein, certainement, les portes ici, qui sont fermées, donc je vois pas trop comment est-ce qu'on va pouvoir ouvrir ça. On a trouvé une porte en métal, lui il dit j'ai trouvé, alors que c'est moi qui l'ai trouvé en premier, mais il y a pas de problème. J'ai un mauvais pressentiment à propos de cet endroit, ok. Ça, ça sent clairement... Alors, une chance sur trois, en fait. Ou deux chances sur trois de pas tomber dans le truc. Ah non, d'accord, non, c'est un puzzle. Oui, bah, il faut juste replacer les cubes. J'avais pas compris. D'accord, rien à voir, en fait. Il faut juste replacer les cubes. Sauf que si tu les fais tomber, bah, ils reviennent au point de départ. Donc, c'est un peu compliqué. Mais ça va, si tu te concentres bien, il y a moyen. Alors, attends. Si on met ici... C'est compliqué en vrai. J'ai mis un cube ici. Ok. Ok, c'est bon. Nous avons réussi. Du coup, on a réussi à ouvrir la porte. Bon, encore une fois, un petit escape. Si t'as pas de Robux, la map en vrai est assez compliquée, tu vois. Moi, ça va. Je suis toujours serein parce que dans la plupart des maps, on peut ressusciter. Mais c'est vrai que les deux autres là, franchement, ils sont très 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 bons parce qu'ils sont pas morts depuis le début. Donc, franchement, ils sont grave chauds. Ok, donc là, il faut courir, les gars. Parce que je crois que c'est la merde derrière nous. Si je dis pas de bêtises, ouais, ouais, ouais. C'est vraiment la merde. Là, il y a un mur d'acide qui est en train de foncer sur nous. Donc, on va éviter. Hop. Allez, allez, sors. Ok, c'est bon. Il y a de l'acide absolument partout, en fait, ici. À la base, on devait juste faire un safari. C'est complètement parti en couille. Ok. Je me concentre. Ça va le faire, ça va le faire. No stress. Parfait, les gars. Bon, encore une nouvelle porte. Ah, quoique, quoique. Non, d'accord. Je pensais qu'il y avait moyen d'aller là-bas, mais pas du tout. Faut juste attendre que tout le monde soit présent. Ok, c'est bon. On a réussi.
Est-ce qu'il y a moyen de sortir d'ici là ou pas là? Est-ce qu'il y a moyen de, je sais pas, de trouver le truc, la solution pour se barrer avec notre voiture? Prochaine étape. T'atterris encore dans un endroit de malade, hein, très clairement, voilà, on n'a vraiment pas de chance aujourd'hui. Quel est cet endroit? Et il n'y a plus qu'elle et moi, hein. On n'est plus que deux. Il a bien survécu quand même l'autre, dommage. Donc je ne sais pas. Là, let's go, t'envoyer. Donc on va essayer de partir d'ici. Ok, donc notre objectif en gros c'est d'utiliser la clé. Ok, attends, what? Ah d'accord, c'est une sorte de... C'est excellent mec. C'est trop bien, c'est super bien fait. Hop, c'est une sorte de mini-jeu dans la map. Bon, ça va, en vrai, c'est pas si compliqué que ça. On saute. Ok, en fait, le jeu considère quand même que c'est bon. Ensuite, par là. J'espère que l'autre a réussi. Hop, S. Ensuite, on saute. Ok, c'est bon. C'est chaud quand même, hein. C'est chaud de ouf. C'est le cas de le dire, hein. Dis pas ça, parce qu'il y a du feu. Hop. Ouais, c'est bon, on a réussi. Franchement, l'autre est vraiment, vraiment puissante et vraiment forte. Mon Dieu, nous sommes enfin sortis. Nous allons rejoindre l'équipe. Enfin, de l'air frais. Look about, there's a cabin. Ah, là, tu vois. Là, c'est un vrai truc. On va pouvoir appeler des secours. J'ai pas bien compris le délire, mais l'autre n'est pas là. Ok, très bien. Bon, bah, je vais être le seul à pouvoir m'en sortir. Look like someone is inside. Donc, il y a quelqu'un à l'intérieur. Ok, on va lui demander apparemment quelque chose. Ça, je la sens pas en vrai. Bonjour. Je la sens vraiment pas. Pourquoi elle a pas de visage? Oh, bonjour. Interview groupe, qu'est-ce que fait un enfant, un groupe d'enfants ici? Je crois qu'il est en train de raconter que il est venu demander de l'aide, etc. Il parle de maman, j'ai rien capté, mon frère. Sérieusement, name Jennifer, je comprends rien, les gars, j'ai juste à attendre de voir ce qui se passe. Mais là, c'est chaud, je suis complètement largué. Il parle d'histoire triste, qu'il a entendu, je sais pas quoi. Bref, c'est chelou. Il parle de Jennifer. En fait, depuis le début de l'histoire, il y a un bail avec Jennifer, frérot. Sauf que moi, je viens seulement de capter qu'il y avait un truc avec Jennifer. Bah, ils sont venus dans ma cabine, je sais pas quoi. Mon avis, dans la tête de mon personnage, là, du frit robloxien, il doit se dire, mais bordel, qu'est-ce que je fous ici? À la base, je devais juste aller voir des animaux. C'est parti complètement en steak. Il se retrouve maintenant à discuter de je sais pas quoi, gros. Est-ce qu'il y a moyen de survivre? Ça continue, ok. Avant de continuer, j'aimerais bien quoi vous féliciter, parce que vous avez fait ça très rapidement. Ça, c'est Mécano, hein, qui va nous aider, du coup. The tour guide knows, happened to you guys. Là, je comprends rien, mais là, je vais me faire gazer, on en parle. C'est horrible! N'hésitez vraiment pas, les gars, comme des fois vous le faites, à faire un résumé de l'histoire, parce que putain, je n'ai rien compris. Ça parle de mer, ça parle de Jennifer, je sais même pas où on est. Là, j'avoue, c'est l'incompréhension totale. Vraiment. Ok, je dois trouver un moyen de sortir d'ici. Et la map est très longue en vrai, hein. J'essaierai de faire de mon mieux pour vous la raccourcir au maximum, mais c'est vrai qu'elle est très très longue. Bon, moyen de sortir. Bon, on va prendre de la hauteur, hein. On verra s'il y a moyen de sortir ou pas. Ok, on passe par la chaîne ici. Hop, vous savez comment elle s'appelle d'ailleurs cette chaîne YouTube. Chaîne YouTube, excellent, on adore. Bref, c'est pas le moment de rigoler. Ok. C'est bon, j'ai réussi à trouver un moyen de sortir. Le gars se pose même pas de questions, il plonge directement dans le trou. Et bah là, tu vois, normalement, je suis mort. Là, j'ai le dos complètement explosé. Ok. Ça ressemble fortement à une salle finale. Et lui, en fait, c'est le méchant depuis le début, tu vois. Très bien. Il a seulement capté que c'est un méchant. Ok, mon objectif, c'est de quoi? Oh merde, je dois faire des trucs avec les ordinateurs. Oh là là, ça va être compliqué, hein. Bon, moi, c'est pas grave, tu vois, je m'en fous, je suis invincible en soi, mais. Merde, là, tu vois, putain, en plus, il me tue directement. Bon, j'avais presque plus de vie aussi. Par bas, avec les ordinateurs, j'appuie dessus, ça fait rien. Je vais attendre aussi, à mon avis, comme l'arbre. Ouais, c'est ça, les gars. Là, je peux bosser, en fait, sur l'ordinateur. What? D'accord, je viens de comprendre, en fait, il fallait que j'appuie sur les lettres. Et c'est chaud, en vrai, hein, c'est très très chaud. Oh là, c'est grave chaud, les gars. C'est grave chaud, là, pour moi. Ok, c'est parti, let's go. Ça va le faire, ça va le faire. Par contre, je suis tout seul, donc c'est un peu compliqué et un peu long tout seul. Allez, j'ai presque terminé encore un ordinateur et je pense que c'est bon, les gars. Et j'ai plus de caméra aussi au passage. Ok, on essaie de terminer ensemble. Et ça va le faire, ça va le faire. Oui, c'est bon, j'ai réussi. Ouh, c'était chaud, hein. Pas évident quand t'es tout seul, hein. Mais c'est bon, là on vient de le faire exploser, là. Ça va enfin être la fin et je vais pouvoir enfin partir d'ici de ce cauchemar. Je l'espère en tout cas. Ouais, le portail magique, les gars. Le fameux portail qui va me permettre de partir. Super, un portail. Nous allons pouvoir enfin partir. Nous allons rôter tout seul. Attends, où est maman? Ah! Merde, ma mère a un problème. Ouais, ok, elle crie, mais pourquoi? Il y a quoi derrière elle, là? Waouh. He was chasing me, il m'a chassé. Qui ça? Robert. Robert est un thug, alors. Ils sont en train de se taper la discute beaucoup trop rapidement. J'espère juste que voilà, on peut se barrer. Alléluia. Et nous sommes sains et saufs. Yes, birthday
partie 2, les amis. Franchement, c'était super cool. Très long quand même, hein, mine de rien. Assez compliqué, mais heureusement que tu as mis en place la résurrection, parce que sinon, bah, j'aurais dû recommencer un milliard de fois. C'était vraiment pas mal du tout, cette aventure. Du coup, bah, dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Mettez aussi également le petit pouce bleu, hein, pour montrer si vous avez kiffé. Pensez à vous abonner à la chaîne grâce au logo qui apparaît à l'écran, ou à la chaîne Roblox qui apparaît également à l'écran, ou même si vous avez encore du temps, à checker deux de mes autres vidéos. C'était votre Fritos comme toujours. Je vous dis prenez soin de vous, portez-vous bien. On se retrouve très vite. Ciao, ciao tout le monde.